Stratégie digitale, SEO, SIA, data, web design, social media, formation. Quoi, vous ne connaissez pas Mediaveille? C'est l'entreprise dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui, qui recrute près de Rennes. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Florian, je suis responsable du pôle web marketing chez Mediaveille, bienvenue. Merci Florian, alors il paraît que Mediaveille recrute et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un café? Avec plaisir, on y va. Merci. Florian, merci pour le café. Explique-moi le métier de Mediaveille et ses actualités. Alors Mediaveille, c'est une agence en stratégie digitale. Notre objectif, c'est d'accompagner les clients à profiter au maximum du potentiel qu'offre le web. On est aujourd'hui près de 130 experts, on est répartis dans plusieurs pôles d'expertise. On a du référencement naturel, de l'ergonomie et du web design, du social media, de la veille, de la création de contenu, de la data, de la web analyse et du web marketing dans lequel je travaille. Et alors justement, il paraît que ton secteur recrute en ce moment ? En effet, on recrute régulièrement sur les différents pôles et en ce moment, on recherche un manager projet web marketing. Et alors ce job, il consiste en quoi en fait ? Alors le job de manager projet web marketing, ça consiste dans la gestion des campagnes web marketing pour le compte des clients de Mediaveille. Ça va de la définition de la stratégie avec le client. Donc en fonction de ses objectifs, on va définir des leviers à mettre en place, des budgets, des axes de communication, etc. Une fois que ça s'est validé, on met en ligne les campagnes sur Google AdWords par exemple ou Facebook Ads. Et une fois que ces campagnes sont en ligne, on doit ensuite les optimiser. Donc on a tout un travail d'analyse, de reporting, d'échange avec le client également pour partager les résultats et voir les éventuelles évolutions qu'il faut amener aux campagnes. Et alors les qualités qu'il me faut si moi je rejoins ton équipe ? Alors si tu veux rejoindre l'équipe, il faut être à l'aise avec les chiffres. Comme je te disais, on gère des budgets, on gère des retours sur investissement, etc. Donc il faut être capable de calculer tout ça. Être rigoureux, un peu pour les mêmes raisons, on gère des budgets. Et être curieux, parce que le web évolue régulièrement, les plateformes qu'on utilise évoluent régulièrement, il y a souvent de nouveaux acteurs, etc. Donc il faut être capable de suivre ça. Les deux, moi je suis basé à Rennes, mais on recrute pour les deux villes, donc les deux. Technique, pour autant il faut un beau relationnel pour pouvoir échanger avec les clients. Sans CV, on recrute régulièrement avec CV, mais aujourd'hui on est sur une journée sans CV, donc on va dire sans. After work, je suis pas du matin. Baby foot. Ça dépend des objectifs du client, donc les deux. On travaille sérieusement, mais on essaye de faire ça dans une ambiance détendue. Florian, merci beaucoup pour la découverte de ce métier. Merci à toi. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous avez sans doute le profil pour rejoindre l'équipe de Mediaveille. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, moi, j'ai adoré cette expérience d'emploi chez Mediaveille. J'espère que vous aussi. C'est une entreprise hyper bienveillante, accueillante, avec des locaux super sympas. Bon, il faut aimer l'open space, hein, je ne vous le cache pas. Par contre, ça fédère un peu les équipes quand même. Et j'ai pas tout compris au langage. On dit SEA ou SIA, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles expériences de job. Ciao !